Salut à tous, c'est Moltres, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Fantômes du Passé 2, qui sortira le 21 avril 2022 si la date n'est pas modifiée entre-temps par Konami. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait. Pour commencer, Ghost from the Past 2 fait suite à la série Fantômes du Passé sortie le 15 avril 2021 qui composait seulement 5 ghosts avec un ratio très très compliqué, ce qui a déplu à de nombreuses personnes. Par exemple, dans mon cas, j'avais ouvert 11 ou 12 boîtes et je n'avais pas eu de ghosts. Donc pour cela, Konami a décidé dans cette deuxième version de tout d'abord augmenter le nombre de cartes et de boosters sans augmenter sa valeur, qui sera de 20€ pour une boîte avec 20 cartes à l'intérieur en 4 boosters de 5 cartes. Évidemment, toutes les cartes seront en ultra rare excepté les ghosts. Concernant les ghosts, elles auront 2 fois plus de chances de tomber et au lieu de 5 ghosts comme dans le 1, il y aura 9 ghosts avec Cyberdragon, Magicienne des Ténèbres, Dragon Blanc aux yeux bleus, Dragon Rouge Archidémon et le Dad, donc concernant les autres cartes, on ne sait pas encore. Concernant toutes les autres cartes de la série, il y aura des cartes jouées par les personnages Zen Truesdale, Yugi Muto, Seto Kaiba, Chad Princeton et Jack Atlas. Et principalement, le set contiendra des cartes pour 3 decks, Magicien Sombre, Dragon Blanc aux yeux bleus et Arc Démon. Également, il y aura des nouvelles cartes comme ces 3-là qui ont été révélées. Et l'arrivée de la carte pour l'archétype Borel et celle pour l'archétype Dragon Arc-en-Ciel fait très plaisir. Pour voir en action la carte du deck du Dragon Arc-en-Ciel, je vous ai déjà présenté sur la chaîne une decklist avec ce nouveau monstre qui donne un bon renouveau à ce deck. Franchement, c'est une série qui me hype vraiment de fou. Entre les cartes de GX, les Ghosts et la nouvelle carte pour Dragon Arc-en-Ciel et Borel, bah franchement, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette série en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout informé sur cette série. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao ciao !